Bonjour, je m'appelle David, j'ai 27 ans. Je suis forgeron depuis 2016, ici à Côteaux-sur-Loire. J'ai toujours travaillé moi, dans le tourisme à la base et j'ai eu la chance de travailler dans des forteresses où il y avait des forgerons et aller voir travailler avec eux, bah, ça m'a permis de découvrir le métier et c'est quelque chose qui m'a plu. Là, je chauffe l'acier et je vais le monter au-dessus de 1000 degrés. Je me spécialise dans la recréation de pièces historiques. Le Moyen-Âge, c'est 1000 ans, donc il y a de quoi faire. On se base sur des découvertes dans les musées, lors de fouilles archéologiques. On recrée ces pièces au plus proche possible et on essaye après de correspondre avec les recherches des archéologues. Il y a tout un monde de reconstitution, de reconstitueurs qui cherchent à aller au plus près possible de ce qui a été fait et utilisé à l'époque. Et il y a certains musées également qui en font la commande pour que le public puisse se rendre compte de ce à quoi c'était censé ressembler. Ça peut très bien être des armes, pourquoi pas, ça peut être des couteaux principalement. On va avoir des objets de chirurgie, des objets pour l'hygiène quotidienne. Bref, il y a de quoi faire avec le métal. Faut t'aplatisser un peu plus ici. J'aplatisse ça. T'as encore des petites vagues à cet endroit. Ouais, ok. Mais sinon, c'est bon. J'ai toujours été passionné, en plus de l'histoire, par la culture japonaise. Et bah, la coïncidence a fait que la forge a réussi à réunir un peu tout ça. Les Japonais sont connus pour leur travail à la forge, pour les techniques qu'ils y mettent. Et depuis un an maintenant, on a commencé à se lancer sur la coutellerie japonaise, surtout de cuisine. Plus je forge, plus la pièce prend vie sous mes mains. Et c'est assez satisfaisant, c'est assez gratifiant. C'est en train d'arriver sous chacun de mes coups de marteau et petit à petit, on approche de la pièce.